البشر لا كالبشر بل هو قد يموت من الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبديع الإيجاد وراعة الاستهلال ومن خاتميته وراعة المختار والكمال اللهم صل على سيدنا محمد نهر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتأسس بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبه إن لم أكن منهم قليل فبدون عز وجاء فرجالهم وبعزهم طيب وأعيش الحياة واختمنا بالخير يا من كان لنا من سوى تهنئة الربيع بمنحة شفيعي يا ربنا صل على خير الأنام من على سمرات سم أمن على السماوات العلا بإذن ربه العليم من يقول عليه بشهر مولده شهر العلا وسنده شهر نبيه أحمد شهر ربيع الأول تهنئة ربي لما أتيت به لما تكيف عليه أمر الله محمد الصبير ربيعي إذ كانك ربيعي للأرض وشفيعي بكل خطب مضيل تهنئة ربي لما أتيت به شهر الذهب تراه وفخرنا والمره شهر النبي الافضل هنيئة ربي بما اتي سفير بما تكلمني شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل هل يحضر ربي من أتي سبيل من أتكلم عليه أمر بها محمد الذي أهله إله واختاره من حبه خيره عند ارتضاء الأجل هنيئة ربي لمن أتي سبيل لمن تكلم به عبدها محمد يشعر الذي ما ساقت ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبا في كل نور معتلي هنيئة ربي لمعلك سفير لمعتك المدير عبد الله محمد أهلا إليه الاثنى عشر فيه ويومه الأغر وطيب ذلك سهر ونور أفق الكريم هنيئة ربي في الملك سفير لما تكلم عليه عبد الله محمد أهلا بكل من ظهر من خارجين يعرفك فيه كراف عند البصر إلى مقام العلي هنيئة ربي لما أتي سبيل لما تكلم عليه
le tous les cœurs revient encore. Car Allah le zikrullahi le. Mais après cela, c'est un bon moment. Et nous demandons, Inch'Allah, que Dieu accepte tout ce qu'on a lu, tous les mots qu'on vient de faire, Inch'Allah. Mais après ça, chers frères et sœurs, nous avons la nutrition du président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Comme il n'est pas encore présent, nous, s'il y a un de ses représentants qui est là, il peut prononcer la locution à sa place. Au cas où, nous allons procéder directement à la conférence par chercher Omar, qui est là présent, Inch'Allah. Attention à nos valeureux chers qui sont là, nous donner aussi l'espoir de bien encore de revivre l'islam, Inch'Allah. Donc, vas-y, un peu, Inch'Allah. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
فالإسلام هو الحنف. فالإسلام سر الإسلام إلى الطريقة الجميلة. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le premier sans précédent, le dernier sans fin, l'apparent et le caché. Celui-là même qui fait miséricorde à toute sa créature. Il a bien voulu faire une grande miséricorde à l'humanité en leur donnant la prophétie et la sainteté. La prophétie, par sa synthèse dans le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens que huwa jam'iyyatun nubuwwa wal anbiya'u ajza'un minhu. Il est la synthèse de la prophétie. Et les prophètes sont une partie de lui. Dieu nous a fait grâce en nous donnant la prophétie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes la meilleure communauté jamais surgie parmi les hommes. Il nous a fait grâce en nous donnant également la sainteté. Mais dans notre cas précis, il nous a donné la synthèse de la prophétie. En ce sens, le chef Ahmed Tijani, huwa jam'iyyatul wilaya wal awliya'u ajza'un minhu. Chef Ahmed Tijani est la synthèse de la sainteté et les saints sont une partie de lui. Nous ne cesserons jamais de rendre grâce à Allah pour cela. Nous bénissons également le sceau de la prophétie, à savoir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je demande l'agrément de Dieu et beaucoup de salat pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il me revient d'adresser un salut particulier à son descendant qui est avec nous aujourd'hui, à la personne du cheikh Ahmed Harazimi. Le shérif qui est là, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, il est descendant de Cheikh Ali Harazimi. Cheikh Ali Harazimi était le grand khalif de Cheikh Ahmed Tijani. Et personne ne pouvait rien recevoir de Cheikh Ahmed Tijani sans passer par lui. Il disait « La yanaru minni ahadan illa biwasitati Ali Harazimi ». Il dit que nul ne peut recevoir de moi si ce n'est par l'entremise de Ali Harazimi. On se rappellera que Cheikh Ahmed Tijani a son actif. Que Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, wa alaykoum salam. Alors je tiens à vous dire que par la présence bénéfique de la personne de Cheikh Ahmed Harazimi ici, que nous nous rappelons du haut de cette tribune-là, la personne de Cheikh Ali Harazimi, qui tout le monde sait que Cheikh Ahmed Tijani a à son actif quelques trois grands livres de toute la vie de Cheikh Ahmed Tijani. On a remarqué qu'il avait écrit que trois grands livres. Il y avait Jarayh al-Ma'ani, c'était un livre entretien que Cheikh Ahmed Tijani a dicté à Cheikh Ali Harazimi. Ce livre-là même est considéré comme la référence de tout disciple de la tariqa tijaniya. Donc, il est tout à fait normal, quand nous nous retrouvons ici, pendant que son petit-fils est avec nous, se rappeler ces grands hommes-là et prier Allah
afin qu'il soit davantage plus grand dans les cieux à l'égard de Mahdi Jami radiallahu ta'ala anhu. Donc, pour compléter ce que j'ai commencé, Cheikh Mahdi Jami avait quelques trois grands livres. J'ai dit Jawahirul Maani, écrit par Ali Harazim. Il avait Jamul Mishri, écrit par Cheikh Mohamed Mishri. Il y avait Ifadatul Ahmadiyya, écrit par Sayyid Talib Soufiani. Ce sont les trois grands livres que le monde se rappelle que Cheikh Ahmed Tijani a offert à l'humanité. Bref, je continue en disant que nous sommes heureux d'être ici. Et nous remercions particulièrement toute la présence des Moutabam et des Cheikhs ici présents avec nous. Mais de manière particulière, nous remercions notre sœur Adja Mariama, accompagnée des différents Zaouïens qui se trouvent ici au Gabon, qui ont bien voulu nous adresser une invitation afin que nous prenions part à cette belle assise, l'assise de l'islam et l'assise de la Tariqa Tijaniya. Nous remercions également le Conseil supérieur des affaires islamiques. Nous n'oublions pas de remercier très grandement la personne du chef de l'État, Son Excellence Alhaj Ali Bongo Odinga, j'espère que je prononce bien. Odimba, barakallah. Donc nous le remercions pour tout ce qu'il fait, comme l'a dit Adja Mariama, pour la confession religieuse et pour l'islam de manière particulière. Nous remercions toutes les Zawiyas. Nous commençons par la Zawiya de Elhaj Abdurrahman, passant à la Zawiya de mon frère Imam Omar, à la Zawiya de Cheikh Zakaria, à la Zawiya de tout autre Cheikh ici présent dont je ne connais pas le nom. Je voudrais qu'il sache que du fond du cœur, nous le remercions infiniment. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une conférence. Il s'agit seulement d'une petite causerie en frère. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes connaissants. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes savants. Mais nous avons un souhait. Nous voulons être seulement parmi les plus petits disciples et serviteurs de Cheikh Ibrahim Aliès. Si nous avons pu atteindre ce vœu-là, pour nous, le compte est bon. Aujourd'hui, il est considéré comme le Maulid de Cheikh Ibrahim Aliès. D'aucuns peuvent se poser la question: qu'est-ce que Cheikh Ibrahim Aliès a fait pour mériter cela? Alors, à cette question, je voudrais dire ce que Cheikh Ibrahim Aliès lui-même disait. Il disait que Al-Ihsan la ujazihi bin nisyan. Il dit que le bien rendu à ma personne, je ne le rends pas par l'oubli. Celui qui me fait le bien, si je ne peux rien même faire pour cette personne-là, je n'oublierai jamais que cette personne m'a fait du bien. Voilà un personnage islamique qui a passé toute sa vie à honorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a passé toute sa vie à honorer Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu. Pour nous, il n'est pas étonnant de voir le monde lui rendre cela. Vous verrez qu'aujourd'hui, dans le monde entier, l'un des maulouds les plus célébrés est le maulud de Cheikh Ibrahim Aliès. Et c'est là, pour aller dans le sens de la parole de Dieu, Al Jaza'ul Ihsan illa Ihsan. Il a fait le bien et Dieu lui a retribué le bien à son tour. Donc ce n'est qu'une question de justice. L'homme n'aura que ce qu'il mérite. Et Cheikh Ibrahim Aliès, quand il y a pas autant à nouveau, mérite cela. Il nous a donné un enseignement. Et son enseignement se résumait
à deux pôles. Le premier enseignement, c'est la sincérité avec Dieu. Il disait que al-ikhlas huwa ikhraj siwa fi mu'amalatika ma'al haqq wa nafsuka siwa. Il dit que la sincérité, c'est écarter toute forme d'intérêt dans ta relation avec Dieu. Même ton ego, il faut l'écarter. Ta relation avec Dieu doit être pour Dieu un Dieu. Le premier point. La deuxième dimension de ce qu'il nous a enseigné, c'est al-khidmatu ou al-amadu li-khidmati insaniya. Travailler pour servir l'humanité. Quand on atteint ces deux dimensions-là, alors que nous sommes disciples de Cheikh Ibrahim Elias, nous pouvons nous taper la poitrine en disant que nous avons compris bien le message de Cheikh Ibrahim Elias. En réalité, ce qu'il a fait traduit toute la spiritualité musulmane. La spiritualité musulmane, ce que Cheikh Ibrahim Elias a enseigné, en réalité, traduit toute la spiritualité musulmane. C'est la spiritualité musulmane qui nous dit que l'ikhlas wa l'amal li khidmat al-insaniya sont les deux points de nos cœurs. Nous sommes sincères avec Dieu et nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour servir l'humanité. Alhamdulillah, il est donc tout à fait normal pour celui-là qui a donné cet enseignement à l'humanité que le monde se souvienne de lui. Et pendant que je parle de souvenirs, je me souviens automatiquement des personnalités ici présentes dont j'avais une réelle présence, qui sont le cher Ilia, le représentant de Moulin, Simon Farbou Bousso, qui est ici présent, dont je salue vraiment la présence, Inch'Allah. Soyez les bienvenus, Barakallah, Inch'Allah. Alors donc, la conférence d'aujourd'hui, pour ne pas dire la causerie, va tourner autour d'un thème important et central. Il s'agit de l'islam et la tariqat hijriya. En réalité, quand on pose le parallèle entre l'islam et la tariqat hijriya, je suis un peu gêné. Parce qu'en réalité, l'islam est égal à la tariqat hijriya et la tariqat hijriya est égale à l'islam. C'est comme si on disait l'islam et l'islam. Ou on dise la tariqat hijriya et la tariqat hijriya. Mais ce n'est qu'un jeu de mots. Et aussi, c'est important, ça a tout son pesant d'or. Beaucoup de personnes, ne sachant pas qu'est-ce que c'est que la tariqat hijriya, ont traité la tariqat hijriya d'une innovation, bid'ah. Beaucoup de personnes qui n'ont même pas compris l'islam dans sa profondeur se sont façonnées contre la tariqat hijriya. Je me rappelle la dernière fois quand j'étais à la Mecque. Je suis allé dans une boutique pour acheter un livre. Celui qui me vendait le livre là a compris que c'est un tijanite. Sans savoir qu'est-ce que c'est que la tijanite, il me dit que ce que je fais, c'est de la mécréance. Koufou. J'étais tellement choqué que j'ai voulu répliquer. Il y avait un soudanais qui était à côté de moi. Il m'a dit, non, il a dit, viens, tais-toi. Laisse-moi lui poser une question. Il dit, mon frère, Maria fera une solade. Et quelles sont les obligations de la prière? Les types ne connaissent pas les obligations de la prière. L'obligation, les obligations de la prière, mais cependant, il est prêt à attaquer la tariqat hijriya. Les gens parlent mieux de ce qu'ils ignorent. Ce qu'ils ne connaissent pas, c'est de ça qu'ils veulent parler.
Alors, comme la chose est ainsi, il est important pour les Tijanites d'apporter un éclairage, et davantage d'éclairage même à Tariqa Tijaniya. Mais nous sommes des musulmans. Et pour nous, l'islam a deux grands axes. Observer la grandeur de Dieu et faire la paix avec nos semblables. C'est ce que le musulman fait toujours en priant quand il commence avec Allah Akbar. Il observe la grandeur de Dieu. Mais quand il finit de faire sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Assalamu alaikum à sa droite, Assalamu alaikum à sa gauche, pour dire que moi, musulman, je fais la paix avec tous ceux qui sont avec moi. Moi, musulman, je fais également la paix même avec ceux qui ne sont pas avec moi, en faisant salam alaikum à ma bouche. Pour dire que l'islam est une religion de paix. Malheureusement, l'islam est emprisonné aujourd'hui, est taxé de terrorisme. L'islam en est témoigné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'enseigner l'amour. Il disait La yakmur lil mar'i al-iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il dit que nul n'aura la foi parfaite que lorsqu'il aura aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et on ne l'avait jamais vu donner des instructions pour faire la guerre à qui que ce soit. C'est vrai, il a fait la guerre. Mais quelle était la nature de la guerre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Voilà un monsieur qui, après avoir atteint 40 ans et qu'il a reçu la révélation, a passé 13 ans en subissant des oppressions. Chaque jour, c'était des exactions sur sa personne et ceux qui avaient embrassé l'islam. On se souviendra de l'histoire de Ammar, de Soumeya, de Yassir, de Bilal, des personnes qui ont été martyrisées seulement parce qu'ils ont dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Le prophète est resté. Le Omar ibn Khattab lui demandant de faire la guerre à ceux-là qui dépassent le temps qu'à l'attaquer. Il a dit Je n'ai pas la permission de faire la guerre à qui que ce soit. Il était obligé de quitter la Mecque parce qu'on l'a chassé. Et le jour qu'il quittait la Mecque, il a regardé la Mecque en disant Wallahi, innaki la ahabu abdullahi ila allahi, wa lawla anna qawmaki akhrajuni minki ma kharajtuki. Il dit que je jure, toi, la Mecque, tu es la terre la plus aimée de Dieu. Si ce n'est tes papas, le fait que ton peuple m'a chassé, je ne te quitterai jamais. Et il disait ça en pleurant. Il a été chassé. Il a fait une première immigration en Éthiopie, la seconde immigration à Médine. Et même à Médine, il n'avait pas autorisé que ses compagnons prennent la guerre pour se défendre. Parce que la guerre qu'il a menée n'était qu'une guerre défensive. Ce n'était pas une guerre offensive. Il n'a jamais attaqué quelqu'un. C'est les gens qui voulaient l'attaquer, il était obligé de se défendre. Aujourd'hui, le monde islamique ne maîtrise pas les médias internationaux. On nous fait croire que c'est les musulmans qui attaquent, c'est les musulmans qui tuent. C'est faux et c'est archi faux. Je vais vous dire pourquoi. La responsabilité, elle n'est jamais collective, elle est individuelle. Celui-là qui a tué John Kennedy en Amérique, c'était un chrétien. Mais les musulmans n'ont pas inquiété, tous les chrétiens sont terroristes. Celui qui a tué Isaac Rabin en Israël, c'était un colon juif. Les musulmans n'ont pas dit que tous les juifs sont terroristes. Mais quand un arabe, avec tout le respect que nous avons pour les arabes, quand un arabe, parce que seulement il est arabe, parce qu'il dit qu'il est musulman, va commettre une gaffe, on ne regarde que les musulmans. C'est une injustice.
Quand vous prenez le Coran, vous verrez que le mot paix a été cité dans le Coran quelques 33 fois. Alors que le mot guerre n'a été cité que quelques 4 fois. Y a-t-il un moyen de comparer 33 à 4? Quand les musulmans se rencontrent, quelle est leur salutation? Assalamu alaikum. Que la paix soit sur toi. Pourquoi? Parce qu'avant l'islam, les Arabes étaient perpétuellement en guerre. Et ils se promenaient avec leur épée. Et quand ils se voyaient, ils disaient Hayat Allah, que tu vives. Parce que tu ne pouvais pas voir ton frère le matin et avoir l'assurance que le soir il vivra. Mais quand l'islam est venu, l'islam a donné un autre modèle de salutation plus élevé. Non seulement tu souhaites la paix pour ton frère, mais tu enlèves ta main de ton épée et tu lui tends la main. Assalamu alaikum. Ce qui venait lever toute forme de suspicion, de méfiance entre les hommes, afin que les gens vivent dans l'amour. Alors voilà cette religion-là que nous vivons, nous musulmans. Nous n'avons pas nous-mêmes la compréhension profonde de cette religion-là. Si nous avons bien compris l'islam, nous devons comprendre que l'islam a des dimensions. Nous devons comprendre aussi que l'être humain sur terre vivra et mourra. La mort n'est pas une fin en soi. La mort n'est rien d'autre que le début de notre voyage. Ce voyage-là qui se fera après la mort a besoin de provisions. Approvisionnez-vous, car la meilleure provision est la crainte de Dieu, c'est la piété. Alors c'est à partir de là que nous allons parler de spiritualité. Parce qu'après la mort, automatiquement, l'esprit vit, l'esprit ne meurt pas, c'est le corps qui meurt, c'est le corps qui disparaît. D'après Cheikh Ahmed Tijani, il disait Khalaqallahu al-anwar, ou Khalaqallahu, j'allais dire l'âme, minour al-arwaha, Khalaqallahu al-arwaha, minour al-asfal ilahi. Que Dieu a créé les âmes de sa propre lumière. Donc c'est une lumière qui provient de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a créé l'âme, dont la provenance est la lumière, Dieu a demandé à l'âme de pénétrer le corps qui est obscur. Et quand il a pénétré le corps qui est obscur, automatiquement, il a été frappé par la chaleur de l'obscurité qu'il a sué. Donc, il devait tout faire pour retourner à son origine avec cette pureté qu'il avait. Donc, l'âme ne meurt pas. Mais pendant son passage sur terre, il faut qu'il s'approvisionne. Il va s'approvisionner de quoi? De la crainte de Dieu, de la piété. C'est à cela qu'on dira que l'islam aujourd'hui a deux grands groupes. Il y a les sunnites et les chiites. Je parle de manière terre à terre. L'islam a deux grands groupes, les sunnites et les chiites. Chacun de ce groupe a des écoles spirituelles et des écoles juridiques. L'islam a ses écoles spirituelles, mais partagées entre les sunnites et les chiites. La tariqa tijaniya fait partie de l'islam sunnite. Je reviens là-dessus. L'islam a deux grands groupes, sunnites et chiites. Ces deux grands groupes ont des écoles juridiques et des écoles spirituelles. Les écoles juridiques telles que la Mazhab Imam Malik, Hanafiya, Hanbaliya, Shafiya, ce sont des écoles juridiques que tout bon musulman sunnite doit connaître. Quand vous allez chez les chiites, vous avez la Mazhab Imamiya, Ja'fariya, ainsi de suite.